Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour saluer la fin du mandat de Madame Ruth Hélène Lalime des Nations Unies. J'ai invité quelques personnes à venir passer un moment en votre compagnie avant de quitter notre pays pour témoigner notre sympathie. Représenter la communauté internationale en Haïti dans ces temps difficiles et agités n'est pas toujours une partie de plaisir. Mine de rien, vous avez tenu 4 longues années et demie du mois d'août 2018 à mars 2023, si je ne me trompe pas. Un record dans ce poste qui n'est pas toujours de tout repos. Madame, depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, j'ai eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec vous, ce qui m'a permis de mieux vous connaître et de découvrir en vous des qualités que beaucoup ignorent. Je ne suis pas certain que le grand public sait l'attachement que vous portez à notre pays et encore moins les combats que vous avez menés pour chercher une issue heureuse aux crises multiples qui ont accablé notre pays pendant votre mandat. Sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas que vous ne représentiez pas à vous toute seule toute la communauté internationale. Certains, par opportunisme ou par facilité, ont fait de vous le bouc émissaire de tous les malheurs d'Haïti. Mais vous êtes une femme de caractère, de devoir et de passion. Vous avez su garder le cap et rester ferme au poste. Je veux, au nom du gouvernement, vous adresser des remerciements et des félicitations pour les multiples rencontres que vous avez organisées avec les représentants des divers secteurs de la vie nationale, y compris les moins commodes, pour les convaincre de venir à la table de négociation en vue de trouver, par le dialogue, une issue heureuse à la crise. Ce faisant, vous avez choisi de rester discrète et de laisser les Haïtiennes et les Haïtiens discuter entre eux et chercher seuls la voie qui leur convenait le mieux. Ce travail long et patient a produit des résultats quasi inespérés. C'est grâce à votre travail dans l'ombre et au soutien que vous avez apporté à des facilitateurs nationaux que nous avons pu aboutir à la signature du consensus du 21 décembre 2022. C'est un peu grâce à votre opiniâtreté que nous avons aujourd'hui un Haut Conseil de la Transition qui travaille la main dans la main avec le gouvernement pour arriver à remettre la démocratie sur les rails. Vous allez partir avant de voir les résultats de votre travail. Vous allez semer. Celle qui va vous remplacer viendra récolter les fruits. Celles et ceux qui vous ont côtoyé et ont eu l'occasion de travailler avec vous ne vous oublieront pas. Je constate avec plaisir que les Nations Unies ont fait encore une fois le choix d'une femme comme représentante spéciale du secrétaire général. Pour ma part, c'est une très bonne chose et j'espère développer avec la nouvelle représentante la même qualité de relation que j'ai entretenue avec vous. Vous allez partir alors que vous êtes devenue une experte des questions haïtiennes. J'espère que là où vos obligations vous conduiront, vous resterez en toutes circonstances une avocate passionnée de la cause d'Haïti. En tant que chef du gouvernement, je vous adresse une invitation permanente à nous visiter, au moins tant que j'occupe cette fonction. Après les élections, ce sera la responsabilité des nouveaux élus. Madame Lalime, je veux vous remettre un souvenir d'Haïti. Veuillez recevoir cette plaque que vous pourrez accrocher en bonne place et qui rappelle votre séjour en Haïti.
Je lis pour vous le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, honneur et mérite à Madame Hélène Lalime, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, août 2018, mars 2023, pour sa contribution au processus démocratique en Haïti. Je suis très heureuse d'être parmi vous en cette occasion spéciale. Je voudrais, au nom du secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres et la grande famille des Nations Unies en Haïti, vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé durant ma mission ici. J'ai eu la chance de travailler avec 5 premiers ministres, Jean-Henri Séan, Jean-Michel Lapin, Joseph Jout, Claude Joseph et Ariel Henry. Je me sens très honorée d'avoir été la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti pendant plus de 4 ans, dans lequel j'ai témoigné la fin du maintien de la paix en Haïti et le rétablissement d'un bureau politique lumineux. 4 années marquées aussi par des troubles sociopolitiques sans précédent dans l'histoire d'Haïti. J'ai vécu comme vous, avec amertume, les séries de pays loques, en particulier celui de septembre à novembre 2019 et de septembre 2022, qui ont eu des conséquences néfastes sur les ménages haïtiens, surtout les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes. Aujourd'hui encore, le pays en paie les frais. Une autre expérience douloureuse qui va malheureusement me marquer pendant tout le reste de ma vie est celle de l'assassinat crapuleux le 7 juillet 2021 du président Jovenel Moïse dans sa résidence privée. Cet assassinat a suivi l'assassinat d'un autre grand haïtien, le bâtonnier Montferrier d'Orval. Je souhaite ardemment que les enquêtes avancent et que les responsables de ces crimes odieux soient traduits devant la justice dans le respect de la légalité et des principes de l'état de droit. Haïti connaît aujourd'hui une crise humanitaire et sécuritaire difficile, la pire de son histoire. Cette crise s'est surtout accentuée par le blocage en septembre 2022 du plus important terminal pétrolier du pays et l'intensification de la violence des gangs. Mesdames, Messieurs, Haïti ne peut plus attendre. Pour ce qui est du déploiement en Haïti d'une force armée spécialisée internationale pour assister la PNH dans la lutte contre le banditisme, les Nations Unies continueront à plaidoyer pour l'assistance nécessaire. Le consensus national du 21 décembre devra conduire dans les meilleurs délais à l'organisation des élections libres, inclusives et démocratiques pour le retour de l'ordre constitutionnel haïtien. Je pars avec le sentiment d'avoir témoigné la base pour une transition politique réussie, bien que la situation politique et sécuritaire demeure encore très fragile. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier les membres du Haut Conseil de transition d'avoir accepté, dans un contexte politique, socio-économique et sécuritaire difficile, marqué notamment par une crise humanitaire aiguë et une polarisation politique sans précédent. Mais ils ont accepté de servir leur pays. Je leur souhaite plein de succès dans l'accomplissement de leurs fonctions. Depuis trop longtemps, Haïti s'est engouffré dans une instabilité politique chronique, résultat de la primauté des intérêts particuliers sur les intérêts communs, qui sapent les opportunités de développement économique et social qui lui sont offertes. Je voudrais profiter de cette opportunité
pour inviter les acteurs politiques, sociaux et économiques à prioriser l'intérêt national. Ainsi, il incombe aux Haïtiens de consolider les avancées dans la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre, telles que la création du HCT et la nomination des juges de la Cour de cassation. Il faut maintenant continuer vers la tenue des tables rondes sur la sécurité et la feuille de route et la formation de CEP. Haïti doit rester dans l'agenda international. La famille des Nations Unies réaffirme son engagement à travailler aux côtés du peuple haïtien et avec les partenaires internationaux présents pour aider à construire un avenir meilleur et durable basé sur un retour à la sécurité et à la démocratie. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, comme la plupart des jours, je porte Haïti dans mon cœur. Haïti, ce pays où j'ai passé mon premier anniversaire de naissance. Et Haïti restera de façon pour toujours dans mon cœur et dans mon esprit. Servir comme représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ici fut le plus grand privilège de ma vie. Ce fut un honneur d'avoir accompagné le peuple haïtien dans sa quête qui a été si difficile pour une Haïti juste, stable, démocratique et prospère. J'espère qu'on va y arriver dans un futur raisonnable. Ce que je peux vous dire, c'est que Maria Isabel Salvador, la prochaine secrétaire, représentante du secrétaire général Haïti, est une personne avec beaucoup d'énergie, une personne très pragmatique et une personne avec qui j'ai été en contact pendant cette semaine à travers une série de réunions. Elle va être formidable, elle va continuer le travail pour le peuple haïtien.